Bonjour à tous, on va donc commencer ce nouveau numéro de coup par coup. Voilà. Bon, alors c'est en fait ici que si vous interrogez de pourquoi j'ai pas mis la caméra, c'est pas en fait c'est parce qu'il fait nuit et donc du coup c'est parce qu'on ne verrait strictement rien. Donc ici donc je fais le rock qui est un coup qui semble être normal parce que sur Dame H5 qui menace échec et mat. Grâce au cavalier G5, j'ai deux coups à ma disposition. J'aurai H6 qui chasserait le cavalier. Et j'ai aussi cavalier F6. Et je pense que sur Dame H5, je préfère plutôt jouer cavalier F6. Parce qu'il peut peut-être y avoir des. Non, marque en rien. Mais en fait, je pense que cavalier F6 est peut-être juste mieux. Parce que du coup, et c'est que ça permet de pouvoir le recycler sur une meilleure case. Mais bon, on n'en est pas encore là. Parce que c'est pas sûr, évidemment, qu'il le joue Dame H5. Alors, ici, je vais jouer Tour D1. Mais après, je sais pas encore si j'ai joué la Tour F ou la Tour A. Parce que du coup, sur Tour D1, j'ai la menace de cavalier prend pion. Parce qu'il peut pas prendre avec le cavalier. À cause de dame prend dame et du coup il parie une tour sèche puisque il y aurait deux attaquants avec une tour en D1 qui peut pas reprendre avec le pion puisque il est cloué à cause de madame. En effet que si le pion reprend en fait et que le roi serait mis en échec. Après que la question c'est est-ce que je prends avec la tour A ou avec la tour F? En soi je pense que la tour F qu'elle pourrait servir quand même puisque la colonne F est semi-ouverte. Donc du coup je préfère plutôt jouer la tour A en D1. Donc du coup ici qu'il a joué fou E6. Donc non, fou prend E6. Et du coup dans cette position j'ai un pion de moins. Un pion de plus. Que je raconte n'importe quoi. Ici, peut-être que je pourrais mettre un cavalier en G5, donc du coup, et menacer la prise du fou, et éventuellement menacer aussi la prise H7. Bah, en soit, H7, peut-être prendre H7 est pas bon parce que du coup, ça ouvrirait la colonne H pour la tour noire. Donc, ici, du coup, je vais juste jouer cavalier G5. Ça paraît pas trop mal. Après, autrement ici que les autres coups candidats, ça pouvait peut-être fou E4 ou peut-être même le cavalier D enfin le cavalier en E4. Enfin, je pense que c'était envisageable. Ok, alors du coup ici que gardien, parce qu'en fait je rappelle que j'ai fait ici une petite tactiquerie, parce que sur donc il m'a joué B5 et là au lieu de sortir mon fou, enfin en fait que j'ai fait fou prend fou et tour prend E6 et avec la menace de sortir la tour en faisant échec au roi, parce qu'ici je menace déjà tour prend dame et je peux aussi menacer ici des tours prend fou. Donc du coup avec échec au roi. Mais ici, le problème ici qui se pose pour les noirs, c'est que j'ai tour G6. Et du coup, ici, les noirs ne peuvent pas reprendre ma tour avec leur dame puisque la dame blanche cloue la dame noire. Et sur n'importe quel coup de roi, je vais jouer dame prend dame, tour prend dame et tour prend D6 et du coup je vais avoir une pièce de plus. Donc ici Lucky a donc joué cavalier. Ah non, enfin que j'ai joué cavalier E7 et donc il m'a joué fou D3 et donc j'ai toujours un pion et une tour de plus. Après, ici, il y a un truc ici qui me fait un petit peu peur.
C'est après du mais après en fait c'est difficile à analyser parce que si je fais le roque il pourrait peut-être avoir des plans à base de fou prend h7, roi prend h7, dame h5, échec, roi g8 et peut-être ramener un cavalier du coup en f3 et en g5. Et ce genre de plan là me fait assez peur. Enfin, en tout cas, ça semble pas très agréable à jouer pour moi. Du coup, je pense en fait que le plus simple, c'est peut-être juste le grand roque. Je pense que c'est sûrement le mieux. En fait, ici, que je pense que j'ai deux coups possibles. C'était le grand roque ou c'est dame prend 5. C'est parce que du coup, la variante de dame prend 5, c'est qu'ensuite, si je fais le roque, fou prend h7, roi prend, dame h5, roi g8, cavalier f3, et après maintenant, je peux peut-être jouer f6, puisqu'il n'y aura plus le pion en e5 pour pouvoir prendre et affaiblir le roque. Mais en soi, je pense que juste le grand roque est bien. Et puisque j'ai une tour et un pion de plus, et c'est parce qu'il faut évidemment que je réduise au maximum les risques d'une attaque. Enfin, en fait, et que comment expliquer? Là, c'est parce qu'en fait, qu'avec autant de matériel, enfin, je pense qu'avec autant de matériel en moins de la part des blancs, je pense que leur seul espoir, c'est me faire un échec et mat. Et du coup, le seul moyen, évidemment, que je sois pas échec et mat, c'est évidemment de me mettre le plus loin possible des pièces blanches. Or en faisant le petit roque avec fou prend h7 et dame h5, en soi que je sais pas si ça marche hein, mais enfin si ça marche pour les ok alors ça en fait c'est que c'est assez marrant parce que ça en fait c'est un truc super connu enfin super connu enfin ça dépend mais en tout cas ici sur f6 et c'est vraiment répertorié. Il a juste cavalier prend 5. Sauf qu'ici, le truc que je me suis toujours demandé, c'est qu'est-ce qui se passe peut-être sur dame 7. Parce que du coup, sur dame 7, si je fais dame h5, g6, enfin il me fait g6. Et si je prends là g6, il peut juste jouer dame f7 et qui permet de gagner la pièce. Ou même et qui peut juste prendre aussi en e4 et ensuite prendre le cavalier. Du coup sur dame 7, je pense que sur dame 7 c'est en fait et que je remets juste le cavalier en f3 et ensuite sur dame prend e4 je joue juste le fou en e2 et du coup j'aurai une avance de développement. Parce qu'en soi, où est-ce qu'il est passé? C'était Martial. Oui. Ah voilà, et c'est parce qu'en soi que la seule variante ici pour les noirs pour ne pas perdre du matériel, c'est jouer dame 7 suivi de dame prend 4. Du coup ici cavalier f3. Ok donc c'est la fameuse position où j'ai dit qu'il valait mieux que je joue le grand roque. Ici, j'ai bien envie peut-être de jouer un truc comme roi B8 pour menacer des tours C8 et en essayant d'échanger les dames. Après, il faut juste que je fasse attention à ne pas perdre ma dame. Parce que là, ici, déjà, qu'il peut menacer. Il peut peut-être me la menacer. Remarque pas grand chose en fait. Bon du coup que Pikmin c'est pas grand chose. Au revoir, enfin il faut quand même et que je vérifie quand même. Hein. Parce que ce serait évidemment très bête que je perde de madame. Après en soi ici je peux peut-être juste jouer. Je peux peut-être juste jouer peut-être dame C3. Et dame C3, fou D2, dame C5.
Et fou prend fou, dame prend fou, et je pense que la position reste très correcte pour les noirs. Parce qu'en fait, et que c'est parce qu'il faut juste que j'arrive à échanger le maximum de pièces pour pouvoir arriver dans une finale avec la tour de plus. Et éventuellement peut-être essayer de prendre le jeu à mon propre compte. Bon, du coup, enfin, en fait, en vrai, que j'aime bien quand même Roi B8. Du coup, je pense que je vais plutôt faire ma première intuition. Bon, après, évidemment, heureusement qu'il y a le pion évidemment en E5. Parce qu'autrement, sans le pion E5, les blancs auraient pu faire fou F4 qui découvre la dame. Donc, échec. Et du coup, prochain coup, faire dame prend dame. Donc heureusement que le pion E5 est là. Donc là en fait que je reviens juste un peu en arrière, histoire de me rappeler. Ah oui d'accord, ok, avec cette partie-là. Oui bah oui, enfin c'est en fait c'est parce que je l'ai faite tout à l'heure, enfin et dans cette même vidéo. Du coup ici que la question c'est est-ce que je prends le fou? Parce que cavalier prend fou, pion prend. Pion prend cavalier, tour prend pion. Et ça semble assez correct. Parce que sur Dame D7 qui attaque la tour, je peux. Au pire, je remets juste la tour en E1. Autrement ici en fait que je peux aussi jouer avec cavalier. E4. Mais en soi, je vais prendre ici. Du coup, cavalier G5 qui menace la fourchette. Et que ça me associe de prendre là. C'est un petit peu embêtant. Après, est-ce que ça pourrait pas être une solution que je rende de la qualité? Enfin, je sais pas. En soi, je pense que c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Parce qu'autrement, sur ici que si je joue au tour D en F8, il appelle juste un truc comme cavalier H7. Ah bah autrement je suis bête moi. Et autrement et pourquoi c'est que je jouerais pas peut-être juste un truc comme tour C8. En fait et que c'est peut-être juste mieux. Parce que du coup et que tour F8 sert à rien à cause de cavalier prend H7. Du coup ouais c'est ça. Du coup je préfère plutôt jouer tour en C8. Du coup, ici que j'ai toujours ici du matériel en plus. Et par contre, la question c'est avec quoi je prends. En soi, je pense que c'est plutôt bien en fait de prendre avec le pion que comme ça et qu'on gagne le temps sur le cavalier. Bon, et alors du coup ici on voit du coup que notre adversaire est un peu gourmand.
Parce que du coup il prend le pion. Bon bah du coup alors ici en fait j'ai plusieurs options. Ici c'est soit je joue dame prend b7 et je prends la tour de manière certaine, mais sauf que lui il va prendre le fou. Mais dans ces cas-là, et qu'il ne pourra plus du tout faire le roque. Ou soit autre solution, je joue simplement dame e6 et je force l'échange des dames et je me retrouve juste avec un fou, enfin une pièce contre un pion. Donc ça c'est bien aussi. En plus ici c'est parce qu'il peut y avoir en fait que sur dame e6 c'est qu'il a une variante amusante. C'est que s'il fait un coup n'importe quoi par exemple par exemple d3, ici je peux jouer dame c8, force la dame à revenir en d8, fou f7, roi peut pas pondre f7 à cause de dame prend dame qui n'est plus protégée, du coup roi e7 et dame e6 échec et mat. Mais bon, ça après en pratique ça a très peu de chances de pouvoir arriver. Du coup je vais jouer en fait aussi le truc ici c'est que sur dame b7 il ne peut jamais prendre 4, enfin pas encore à cause du coup de dame prend dame, mais sur dame prend b7 il peut peut-être jouer c6 et du... ah mais non que je suis bête non parce que sur c6 je peux juste jouer dame prend dame, du coup ça semble plutôt bien en fait. Voilà. Du coup, il a pris F7. Ouais, du coup je vais jouer tour F8. Apparemment je pense que j'ai plus trop de difficultés à cette partie. Du coup ici cavalier E5. Donc ici je vais jouer fou D6, ça me paraît plutôt correct. Parce que du coup ça permet de développer ce fou sur une diagonale pas trop petite. Et après je peux faire le roque au prochain coup. Ici fou E3. Alors ici peut-être que le coup candidat ça peut être roque, ça peut être D6 en prophylaxie de fou B5. Parce qu'ici en fait il peut menacer des fous B5 pour prendre ce pion. Du coup sur D6 s'il joue fou B5 ici je pourrais juste jouer fou D7. En soi que D6 ça me paraît plutôt bien parce que du coup ça consolide ma chaîne de pions et je peux avoir un fou qui sera un peu plus actif. Parce qu'après je pourrais toujours jouer avec des cavaliers alliés à 5. Ok, donc du coup ah oui, mais non, parce que le problème ici, c'est que si je prends, il attaque mon cavalier. En soi, après, est-ce que c'est si grave? Parce que du coup, après, que mon cavalier, où est-ce qu'il pourrait aller? Alors, en fait, et que j'aime pas trop. Par contre, ici, je peux peut-être jouer un truc à base de tour C6 et sur cavalier B5, je fais tour prend fou, dame prend tour, dame prend dame et... Attends, faut que je vérifie. Tour C6, cavalier B5, tour prend fou, dame prend, tour prend, et là que je joue
Fou prend B5, mais sauf qu'il reprend. Du coup, niveau matériel, je me retrouverai avec du matériel en plus. Enfin, je crois. Ouais, enfin, je remarque que ce serait pas non plus énorme. Pardon, oula. En fait, dès que je vais juste réfléchir. Ici, j'ai donc une tour de plus. Parce qu'en fait, c'est que je note tout, hein. Du coup, imaginons tour C6. Cavalier B5. Tour prend fou. Ouais, non, il y a, c'est ça. Et donc dans cette position, et que du coup je n'aurai plus que une qualité de plus. Donc du coup une tour contre un fou. Ou autrement que je prends peut-être là. Et du coup je prends D6 et après je joue cavalier C6. Et sur fou prend H7, j'ai peut-être juste tour à H8. En soi que ça me paraît pas trop mal. Et le seul problème c'est que c'est enfin ce problème ici en fait c'est que c'est parce que le fou ici est peut-être pas le meilleur bloqueur. En fait, c'était Aaron Nimzowitsch qui disait que le meilleur bloqueur d'un pion, c'était le cavalier. Que le cavalier était le bloqueur naturel. Ah, et Titi a mis une photo de sa maison. C'est magnifique. Du coup, ici, je vais... Parce que là, ouais, parce qu'en fait, ici le problème c'est que si je joue cavalier C6, il peut juste prendre D5. Et puisque j'ai pas forcément envie de perdre un pion. Du coup, peut-être A6. Et sur A6, il a peut-être juste dame A4 et je peux pas prendre le fou à cause de dame prend tout. Mais au pire, sur A6, dame A4, je suis pas forcément obligé de prendre et je peux juste peut-être juste jouer au 6. Bon, ça paraît pas trop mal. Après, le problème, c'est que A6, dame A4, 6, il peut peut-être jouer E5. Et du coup, qui bloquerait un petit peu ma position. Après en soi est-ce que je peux pas juste prendre E4? Oh là franchement que je sais pas vraiment à quoi jouer. Bon, en soi ici sur E6, E5 et sur E5 en fait c'est comme si en fait c'est qu'on jouait une défense française. Sauf que dans la défense française je crois pas qu'on joue le fou en D7. Et en même temps je suis pas sûr qu'on joue forcément le cavalier en A3. Donc que du coup que je pense que je me retrouve juste dans une bonne variante de la défense française. Ah, du coup ici donc j'avais réfléchi du coup à cavalier C6, est-ce que c'est ce que je vais jouer? La question se pose évidemment. Et je crois que oui. Du coup fou F4. Qu'est-ce qui menace? Non, en fait, que je vois pas trop là, pour l'instant ce qui est menace.
C'est peut-être rien en fait. Du coup, si je vais peut-être juste jouer le rock. Après, peut-être rock, il peut peut-être jouer fou G5. Mais sur fou G5, j'ai peut-être juste cavalier D7. Bon, autre solution, c'est que je joue d'abord avec H6. Pour pouvoir éviter justement le fou G5. Parce que par en soi, et que fou G5, j'aime pas trop. Enfin, je sais pas. Ouais, allez, si, que je vais jouer à H6. Du coup, espagnol, du coup, avec le cavalier F6. Est-ce que je fais la variante que j'aime bien jouer ou pas? Bon, allez. Remarque que je la connais pas non plus super bien. En fait, et que je vais juste regarder lui, est-ce que son classement a évolué? Non, il est toujours 1099. Du coup, je vais un peu regarder ses parties vite fait. Ah non, parce qu'en fait, et qu'on peut pas en fait. Et en fait, et qu'il a pas terminé de partie, donc du coup, je peux pas trop voir son niveau. Mais déjà qu'il fait quand même une ouverture qui est quand même plutôt correcte. Bon, allez, D4. Autrement que l'autre possibilité, que c'était de jouer rock et c'est un truc plus classique. Bon, et là, du coup, avec le cavalier F6, je crois que c'est la défense berlinoise. Parce qu'en en fait, que je sais, enfin, sur fou B5, cavalier F6, je sais que c'est la défense berlinoise. Mais après, que je sais pas si avec A6, c'est aussi la défense berlinoise ou pas. Donc voilà. Bon, bah, du coup, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Oh là, 27 minutes. Ouf. Ah oui, non, pardon. Non, enfin, en fait, évidemment que c'était juste pour vous prouver, évidemment, qu'on n'y voyait rien. Voilà. Bon, mais du coup, c'est de plus en plus long, en fait, mes vidéos, donc j'espère que ça vous embête pas. Et si ça vous embête pas, ben, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de faire des vidéos plus courtes, quitte à faire moins de coups à chaque fois. Voilà, bon, ben, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas. Mais si vous mettez un pouce vers le bas, surtout s'il vous plaît, dites-moi pourquoi, parce qu'évidemment que ça aide à progresser. Voilà. Au revoir.